Alors quand tu vas savoir ce qu'ils y mettent à l'intérieur des aliments pour animaux, je te garantis c'est animal. Hein. Et tu vas regarder ça de plus près. Alors bouge pas, je t'explique. Alors déjà, quand on regarde le prix au kilo, on est à 16 euros du kilo, mais c'est plus cher qu'une entrecôte. Mais franchement, gourmet, révélation, c'est la grande illusion. Mousseline de bœuf et eh bain du bœuf à l'intérieur, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon, effectivement, on n'a pas l'habitude de regarder la composition des produits. Et eh bien là, on va regarder ça de plus près, on a 46% sous-produits animaux, et il y a seulement 4% de bœufs. Alors sous-produits animaux, qu'est-ce que c'est Et eh bien c'est ça, c'est des déchets d'abattoir, ok, c'est des déchets de cuisine et de table, c'est les animaux trouvés morts, et surtout c'est les animaux de compagnie morts. Alors si ton petit chat, il a perdu son pote il y a quelque temps, et eh bien demain il va peut-être le bouffer. Franchement, mais c'est horrible, et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'autorité européenne de la sécurité des aliments. Mais franchement, ils appellent ça gourmet J'appelle ça, mais c'est une honte. Mais comment on peut donner ça aux animaux C'est des animaux ok. Mais franchement, il y a des limites quand même.